C'est que c'était navrant, donc on va passer tout de suite à la culture. On va revenir à quelque chose avec vous, monsieur l'auteur, mademoiselle la comédienne. J'aimerais qu'on parle un peu plus sérieusement de l'avenir du théâtre français, qu'on parle des subventions, qu'on parle des salles qui ferment, de ce théâtre de boulevard qui se meurt. Bref, qu'on parle un peu de théâtre. Vous êtes d'accord? Ah, moi, complètement. Oui, non, mais, s'il vous plaît. Oh, ah, non, ça suffit. Et la chanson française, qu'on s'en parle. Jean Mérand, vous n'étiez pas invité ce soir. Je n'étais pas invité, mais je m'invite. Daniel Prévost, les 5 lettres pour ce soir. Chantal, je vous embrasserai merci tout à l'heure. Merci Jean. Mais je vous serre la main pour l'instant. Philippe Gildas, je fais depuis un an le siège de votre bureau. Il y a toujours les productrices, Carole Fekerel et Catherine Malaval, là. Oui. Les deux grognasses, là, qui m'ont promis que j'allais passer, hein, quéquette. On dit pas quéquette à la télévision française. Dit quéquette. Dans une émission culturelle. Parce que c'est vrai, c'est un peu quéquette, oui, sur les bords. Parce que vous, je croyais que vous aviez arrêté la carrière. Non, j'ai continué, heureusement. Mon public m'aime beaucoup. Et je suis passé encore il y a quelques temps. J'ai fait un grand concert à la MJC de Vesoul qui a marché. Qui a été extraordinaire. Oh, parce que ils sont chaleureux, les gens qui habitent Vesoul. Ils aiment la chanson. Faites attention, monsieur a chanté aussi, Chantal a chanté, mais monsieur aussi a fait un disque. Oui, mais pas à Vesoul. Mégalosong. Mégalosong, ça pouvait pas être à Vesoul, ah, oui. J'adore ces amuseurs, j'adore Chantal Lobby, et j'adore Daniel Prévost. Bon, écoutez, ce que je vous propose, on va vous faire chanter. Oui. Vous allez vous mettre en... Peut-être je voudrais quand même dire, parce que si on me laisse placer un mot, oui, ce serait formidable, allez-y. Philippe Gildas, je vois que vous l'avez pas changé non, avec le tout. Temps. Hein. Je voudrais quand même présenter mon groupe, c'est le groupe Glasnost. Oh non. Un groupe Glasnost. Glasnost. Vous allez vous mettre en place avec votre groupe, on vous retrouve après la page de pub. Ah, la pub, bien sûr. Eh oui, pour bien vivre. Ah, Canal Plus de pub. La pub. Voilà, puisque... Nous avons profité de la venue de Chantal Lobby pour faire irruption un petit peu dans le studio, parce qu'on ne nous appelle pas bien souvent. Je voudrais quand même vous présenter mon groupe, parce que j'en avais assez, je voulais le dire tout à l'heure, de chanter seul. Je voudrais vous présenter le groupe Glasnost, donc il veut dire en russe, vous le savez, quoi. Et je voudrais vous présenter donc, à ma droite, au cymbale, la grande Mireille Chotard. La grande Mireille Chotard du Casino de la Bourboule, oui. Et donc à ma gauche, Yves. Vous pouvez l'applaudir aussi. Yves que certains connaissent peut-être, vraiment. Allons donc chanter notre grand succès qui s'intitule, enfin, grand succès que partout on nous réclame, qui s'intitule... La rue Le Pic. Trois. Je me souviens, la rue Le Pic. Pom 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 pom. On vous fait du ricotonné. Pom 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 pom. Et ceux-là, ils ont chargé. Ah, Chantal. Ah, tu te souviens, Cannes, la plage, quand tu allais faire pipi devant le Palm Beach pour emmerder les capitalistes. Tu te souviens, dit Chantal, c'était hier. Ah, folle jeunesse. C'est peut-être beaucoup, là, non? Je me souviens, la rue, là-bas. Pic. Yeah. Merci monsieur Mérand. Merci à Glasnost. Oui. Ça me fait plaisir de voir que c'est la fête de la chanson. Oui. On s'amuse. Oui.
Vous êtes content? Oui, je suis. Oui. Moi, vous savez, je suis un artiste. Oui. Alors quand un artiste peut exercer son art, il est content. Voilà. Je pense qu'on vous attend au Théâtre Michel tout à l'heure pour la première. Oui. Donc si vous y allez dans cette tenue tous les trois... Je ne vais pas manquer ça. Vite une femme, Théâtre Michel. Avec Chantal et Daniel. C'est à partir de ce soir, effectivement. Et pour 130 représentations, après, madame a décidé de boucler, mais on ne sait jamais. Merci en tout cas. On peut applaudir monsieur Prévost. C'est l'auteur, c'est la vedette avec Chantal Lobby. Chantal, la question que tout le monde se pose ici et devant son poste de télé, maintenant que tu es au théâtre, Michel, tous les soirs, ABC des nuls, ça continue quand même. Bah, heureusement que ça continue, bien sûr. Bah, le théâtre, c'est à 9h15, à 21h15 le soir. Et la journée, bah, je vais continuer à travailler avec les nuls. Évidemment, l'ABC des nuls, ça vient de démarrer. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Regarde donc ce ABC des nuls. Là, je ne suis pas sûr que tu le connaisses. C'est un nouveau? Je regarde. Merci. Bonsoir. Cherchez l'erreur. A comme Alain. B comme Bruno. Et D comme Dominique. Aujourd'hui, eh bien, comme tous les jours, c'est vous qui choisissez la lettre du jour. Aujourd'hui, Le C. Le C, d'accord. C comme Chantal Lobby. Chantal Lobby. Définition, meuf des nuls. Exemple, comment elle s'appelle déjà la meuf des nuls? Daniel Prévost. Quoi, c'est à moi déjà, là? Bah oui, Dominique. Bah non, parce que d'habitude, j'ai un peu le temps de me mettre en forme, quoi. Bon, ok, je suis qui? Vous faites le... Bah, faites le texte de Chantal, allez-y. Le texte de Chantal. Ouais. Le C, comme son nom l'indique, est la troisième lettre de l'alphabet. On le trouve le C dans Chantal, Carette, Chabat, mais pas dans Dominique Farrugia. J'enchaîne parce que là, c'est à moi, là, normalement. Ah, laissez. Je vais vous faire, là. Quoi, pas dans Dominique Farrugia? J'en ai plein le cul, maintenant. Faites-moi, parce que là, j'ai un dialogue Bruno-Dominique. Je fais Bruno, d'accord. Ouais, j'en ai plein le cul, c'est toujours moi qui morfle. Alain, dites à Dominique qu'il la ferme. Je suis Alain. Taisez-vous, Dominique. Est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y, Chantal. Si Dominique fait Chantal, si Bruno fait Dominique, et si Alain fait Chantal, qui fait Alain? Taisez-vous, Chantal. Mais non. Chantal peut pas dire à Chantal d'austère. Elle peut pas se parler elle-même. Et pourquoi non? Et moi, par exemple, ça m'arrive de me fréquenter, de me dire des trucs gentils. Oui, mais vous, la branlette, un jour, ça vous jouera des tours. Pardon? Je dis vous, la branlette, un jour, ça vous jouera des tours. Qu'est-ce qui rend sourd? Bon, on est où, là? Je suis qui? Mais heureusement qu'on est quatre, hein. Parce que je veux dire, j'imagine le bordel avec les compagnons de la chanson. Non, on n'a qu'à faire comme si Chantal était là. D'accord. Mais je suis là. Non, Dominique, on reprend nos personnages, c'est-à-dire que vous sortez de Chantal. Dommage, j'étais bien dedans. Le C, donc. Chantal, parlez-nous du C. Ah, sacré Chantal, toujours le mot pour rire. Mais le C, c'est aussi cheveux, définition, poil du haut. Exemple, je me suis rasé les cheveux du bas pour être raccord, Kojak. Saloperie. Dur. Nœud de merde. Stop. Aujourd'hui, traitez vos cheveux avec douceur. Bichounet. Trésor. Chéri. Poupoune. Cracounet. Mon petit cœur. Petit nœud d'amour. C'est de moi que tu parles, chérie? Toi, ta gueule. C'est pas à vous que je parle, ma chérie. Oh, que vous êtes jolie. Que vous bougez bien. Un petit hommage à Chantal, je crois qu'elle aime bien ce sketch. Ouais. Merci. On n'est pas bien là? Hein? Pas belle la vie? Ouais. Comme ça, là, sans gonzesse, entre mecs, on dirait les inconnus, on est bien. Et à l'armée, il n'y a pas de gonzesse, on rigole. Hein. On n'avait pas le droit.
Il me fait marrer. Mais... la pièce, elle s'appelle Vite une femme. Mais on n'est pas pressé. Mais vous ne voyez pas qu'on est en train de crever? Ça vous crève pas les yeux qu'elle se crève? Qu'on est en train de tous crever? Hein? Oh. Hein? Oh, mais des fois, on est comme les plats de chez McDo. On s'emporte. C'est vrai. Un peu comme au Burger King aussi, quoi. J'ai pas vous, mais moi j'ai faim. On va bouffer. Ouais, allez, hein? Ok. Maintenant, hein? On va bouffer. On fait une petite. Ouais, un McDo ou un Burger King? Ah, c'est des salauds quand t'es pas là! Et je crois comprendre que tu n'aimais pas du tout le sketch qu'ils ont mis dedans. Je n'aimais pas trop, non. D'où la vacherie de Bruno pour dire qu'elle te ferait très plaisir. C'était très bien. Question pour finir. Antoine. Alain, Bruno et Dominique, tes petits camarades qu'on vient de voir, sont unanimes à dire ou à prétendre que tu aurais le sein gauche beaucoup plus développé que le sein droit. Mmh. Ils disent aussi que, ne pouvant résister à un pari, si je te mets au défi de le prouver tout de suite, tu... Bah écoute, on va voir, je sais pas. Bah, tiens, vois mon soutien-gorge. Non, je crois qu'ils sont pareils. Enfin, ça dépend. Il me semble ils sont que pas tout à fait pareils. Oui. Hein? Remettez-vous la deuxième après question. Jeanne Fonda, c'est... Jeanne Fonda le mercredi. Bon, tu fais ce soir tes débuts au théâtre, mais tu n'as pas attendu si longtemps pour tâter du cinéma, comme le prouve ce film enfin disponible dans les vidéoclubs en cassette. Voilà, La Vorace. Est-ce qu'après La Vorace, tu comptes rester dans un registre classique avec La Curiace, par exemple? Oui, c'est mon projet, oui. J'en étais sûr. J'ai déjà le scénar, tout c'est bon. Merci Chantal. De rien, Antoine. C'est une horreur. Moi, je ne cautionne pas ça. Hein.